Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Alaric et on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Wokfu. En voix off sur Paper Mario, partie 27. Donc je vous retrouve en voix off pour les 3 premières minutes de cette vidéo parce que je vous remontre le passage avec Peach, notamment cette porte-ci dans laquelle je n'étais pas. Enfin la pièce dans laquelle je n'étais pas rentré. Et en fait ça sert à rien puisqu'il n'y a. Il n'y a rien à récupérer dans cette salle, c'est juste pour explorer. Et heureusement, en fait, je me suis rendu compte que j'avais oublié un badge pendant la séquence de cette, pendant cette séquence de la princesse Peach. Je me suis rendu compte avant d'avoir sauvegardé, donc j'ai pu le refaire rapidement après pour vous le montrer. Et donc heureusement, j'ai récupéré un badge, bon, bah, pas non plus très important, hein, mais vu que je dois tous les récupérer, mais voilà. Donc là, je fais la voix off. J'ai déjà enregistré la vidéo il y a plus d'un mois, puisque c'était début septembre. Là, c'est la première fois que j'enregistre depuis que je suis rentré, début octobre. Donc j'espère que votre rentrée s'est bien passée, tout ça, tout ça. Et puis, ben, on est reparti pour les Wokfu. Alors, je comptais adopter un style moins... Enfin, un style... Une cadence de vidéo un peu moins soutenue qu'avant, parce que je peux à chaque fois une vidéo tous les 2 jours ou 1 jour et demi. Peut-être qu'à partir de maintenant, ça sera un peu plus lent. Donc voilà, je sais pas trop comment je m'organiserai concrètement, mais j'ai pas envie de faire des vidéos dans le but tous les soirs comme j'avais fait avec 50 Wokfu d'affilée, c'était un peu trop. Donc bon, on avancera tranquillement. Alors voilà, il y avait un Toad caché dans l'armoire. Et puis par que je me suis fait capturer et que j'ai sauté dans le placard. Elle ne bougerait pas avant que Mario nous ait tous sauvés. Princesse Peach, vous devriez vous cacher, ne prenez pas de risques. On disait bon, j'ai pas envie de me cacher dans une armoire avec un Toad. Hein. On pourrait se douter de quelque chose d'assez étrange. Donc j'ai récupéré le badge dans le coffre, et après il suffit juste simplement de revenir au gros coffre magique pour transférer après le badge à Mario, hein. Pour qu'on puisse le récupérer avec Mario plus tard. Voilà, donc la porte en dessous, en fait, c'était juste pour aller à la cuisine. Cette phase-ci, c'est à faire avant de faire le gâteau, en fait. Bon, moi, j'ai pris directement la porte avec la cuisine, et du coup, j'ai raté le badge. Donc, bon. Voilà, après, ça va s'arrêter dans 20 secondes. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. On commencera le chapitre 5 avec l'interlude 4, qui est vraiment très court. Et puis, j'espère que c'est un chapitre que vous apprécierez pour l'instant. Je l'aime bien. J'aime bien l'ambiance et tout. Mais Mario, mais qu'est-ce que tu fais dans le coin là? Mais arrête de te cacher, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire au pauvre petit allié là? Regardez, il lance des éclairs là, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh mais lâche-le. Eh bien salut à tous, c'est Alaric, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Wokfu. En découverte de Paper Mario. Alors, comment il s'appelle cet allié déjà? Ah oui, Watt. Je m'en rappelle même plus. Alors je vous retrouve, c'est assez particulier parce que là je suis sur ma télé HD. C'est pas la mienne puisque je suis chez mes parents. Et là, je suis tout seul pour une fois, donc j'en profite pour enregistrer la suite, sachant que j'ai pas ma télé HD et que je vous uploaderai certainement cette vidéo en octobre, le temps que je... Ben là, on est le 1er septembre, mais le temps que je partais tout en vacances et tout le reste et tout le reste. Et voilà, je pense que... On sera en octobre et du coup, voilà, j'en profite pour capturer la suite puisque je peux sur la télé HD, donc normalement, il n'y aura pas de soucis pour ces captures. Et heureusement, parce que vous avez vu pour le chapitre 4, je suis vraiment désolé, franchement, ça gâche tout, ça m'énerve quand je vois ça. Chaque fois, je vais commencer le montage et tout, déjà que ça me motive pas trop à faire le montage. Alors là, j'ouvre le fichier, je vois que ça lag à mort, je ne peux pas savoir à quel point ça m'énerve. Donc bref, c'est pas grave, j'espère que vous avez quand même apprécié le chapitre 4 malgré tout, moi je l'ai vraiment adoré, mais bon, vu que ça lag à mort pour vous, je pense pas que vous l'aurez apprécié autant que moi. Enfin bref, c'est vraiment dommage. Donc pour la suite, tant que je pourrai pas capturer sur tel HD, ben je ferai pas de vidéo. Sinon ça va, ben voilà, j'ai pas envie de gâcher toute la fin du jeu, quoi. Ça commence à bien faire, ces conneries. Alors bon, je suis revenu ici pour l'interlude 4, on se retrouve pour l'interlude 4. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas énormément de choses dans cette vidéo, contrairement aux autres interludes. Ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va lire le journal de Luigi. J'ai déjà lu la page 3 pour vérifier, pour voir si Luigi nous attrapait pas en fait, parce qu'il faut pas qu'il sache qu'on lise son journal, bien sûr, faut que ça reste secret entre vous et moi. Alors, Masque s'est apparu chez moi l'autre jour, elle était en train de dormir dans mon lit, cale toupée. Je l'ai pas le suivi, mais il était trop rapide pour moi.
Apparemment, il y a tout un tas, il y a tout un gang de masques qui est apparu dans ton vide. Toi de vie, là. Ils ont sorti le coffre masques qui doit se trouver quelque part en ville. Un coffre à jouer, j'aimerais bien voir ça. Peut-être qu'ils ont une Nintendo 64. Vous avez vu la référence, c'est quand même énorme ça. La Nintendo 64, franchement. Toute la famille Goomba est venue me voir aujourd'hui. Voilà, il reste pas tout seul, Luigi, ça fait de la compagnie, c'est bien. Ils ont dit que Mario s'occupait de Gombario et ils m'ont laissé un souvenir. C'était une noix gomme, un fruit assez rare venant du village Gomba. Enfin, c'est rare, il suffit de frapper le premier l'arbre à droite du village et on peut en avoir l'infini. Elle avait l'air assez délicieuse que je l'ai mangé sans le dire à mon frère. Ouh, c'est pas gentil ça, mes pères sont montés à toi. Comme quoi, lui aussi il a des PF, il pourrait nous aider en combat, cet hypocrite là. Tu penses qu'il s'en rendra compte? Vous voyez quand même ce frère là qui nous cache des choses, c'est vraiment pas bien. Enfin bref, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir sortir d'ici. Il est super content, il fait le ménage, bien sûr. Je parle. Il rédige son journal pendant qu'on n'est pas là. Enfin bien, il faut bien qu'il s'occupe aussi. Alors là, vu que je joue sur la télé HD, ben, l'image est évidemment bien plus belle pour moi. C'est même très lumineux, c'est énorme, c'est bien pixelisé, c'est bizarre. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que... Ah là, j'ai l'impression qu'il y a moins de latence. Mais tout à l'heure, il y avait au moins une seconde de latence à chaque fois que j'appuyais sur les boutons, c'était horrible. J'appuyais sur A, ça enregistrait une seconde après. Pour vous, peut-être une seconde, ça paraît peu. Mais je vous dis que quand vous êtes habitué à jouer voilà, un jeu, une seconde de latence, c'est énorme. Vous imaginez un combat après pour le timing, non, ça aurait été trop chaud. Et là, j'ai l'impression qu'il y a... Ben, il y a plus de latence, bizarrement, quand j'ai enclenché mon Game Capture HD. Donc voilà, la VerMedia pour capturer directement sur la télé. C'est pratique, j'ai plus besoin de PC. Le PC, je l'utilise juste pour enregistrer la voix. Avec le logiciel. Alors, du coup, je sais plus. Je suis embrouillé. Tout. Je suis embrouillé. Je sais même plus si on allait à la poste. On va voir ça. Allez, salut Mario. Bon, on dirait que tu as reçu du courrier. Ah, on a encore du courrier. Super. On va lire ça tout de suite pour Cooper. C'est coulisse. Je sais même plus qui c'est. Je crois que c'est la femme. Cher Cooper. Comment se déroulent tes aventures? Je ne peux pas croire que tu sois avec Mario, Vénard. Le village Koopa n'a pas changé. La femme de Colorado l'attend. L'attend avec impatience. La femme de... Ah oui, elle attend Colorado. Eh, gagé. Colorado et toi, vous avez une vie si palpitante que j'en suis jaloux. Bon courage, l'ami. Coulisse du village Koopa. Non, je crois que c'est pas une... C'est un Koopa mal, en fait. Mais je sais plus trop qui c'est. En fait, c'est pas grave. Pour Parakari Alité, je sais plus qui c'est non plus, franchement les noms je m'embrouille trop quoi. Cher Parakari, merci pour toutes les lettres que tu m'as apportées malgré le froid et la neige. Comme j'habite dans cette vallée, aussi loin de ma famille, c'est le courrier qui me procure ma plus grande joie. Mes petits mots gentils de ma femme et de ma fille me donnent la force de continuer mon travail ici. Mon cœur bondit de joie à chaque fois que j'entends tes battements d'ailes. C'est mignon. Cependant, mon ami, ton fan Alité. D'accord. C'est bon. Alors, on va ressortir. Alors du coup, je réfléchissais. Ah oui, il faut que je retourne au coffre de la colline étoile pour récupérer le badge que j'ai mis avec Peach, que d'ailleurs je vous ai recapturé parce que j'ai oublié de le faire dans la dernière vidéo. Mais je crois que je vais le chercher hors vidéo parce que là, sinon on va perdre du temps, faire un aller-retour pour rien. Alors ce qui est cool, c'est que du coup, vu qu'il n'y a pas le logiciel sur mon PC, ça libère des ressources pour mettre autre chose sur l'écran. Et j'ai mis... justement une page Word où j'ai affiché toutes les recettes. Donc je vais pouvoir faire les recettes tranquillou. Parakari, tu viens de pousser là. Regardez ce qu'il s'est mis entre moi et goûter là, franchement. Il a même pas de lettres. Je peux la voir. Ah oui, mais elle veut le livre de cuisine. Ah oui, c'est vrai, je vais quand même en zapper. Masque à goinfre. Vous allez voir à quoi sert ce livre, bien comme l'a dit dans les commentaires, et merci. Je peux l'avoir, c'est trop gentil. Avec ce livre, je peux utiliser deux ingrédients à la fois et réaliser de meilleurs plats, rien pour toi. Ramène-moi, s'il te plaît, d'autres ingrédients pour essayer de nouvelles recettes. Voilà, voilà. Tout ça pour faire des recettes plus compliquées. Pour mettre deux ingrédients. Bon, là, je vais mettre que... C'est très, très rare. Je sais plus où on l'obtient, ça. Un peu bizarre. Bon, en tout cas, il faut que je fasse de façon la recette. Alors, c'est un seul ingrédient. Non. Je pourrais utiliser fleurs d'arbres, oui. Voilà, bon, je vais pas faire toute la recette devant vous, hein. J'en finis juste en passant.
J'avais pris la poudre à gâteau aussi. Là, on a. C'est quoi? Ah oui, la somme cadran. Vous voyez, c'est même pas un truc à bouffer, quoi. Je sais pas comment elle fait. Elle transforme des feuilles en espèce d'objet qu'on peut même pas bouffer. C'est étrange tout ça. Alors, il faut que je retourne aussi au village Koopa, parce que bien sûr, il y a toujours Koopa. Koopa coûte, avec ses satanées roquettes. Il y a 3 roquettes supplémentaires à pourvoir. Putain, mais les couleurs, elles sont bizarres. J'ai pas l'habitude que ce soit aussi... Là, c'est vachement plus coloré que sur mon truc cathodique. Oula, il y a du grabuge dans cette maison, qu'est-ce qui se passe là? Ah, c'est les bombes qui explosent. Bombinette, bombinette, il ne sait dire que ça, ça devient saoulant. Oh, bombinette, la ferme. Elle t'a jamais plaqué. Elle t'a sans doute plaqué car tu n'as jamais parlé. Non, toi, tais-toi. Mon amour pour bombinette est si profond. Bombe, me faire plaquer n'entame rien ma détermination, ma bombe. Bon, ils sont en train de gueuler. On va voir les fameuses roquettes. Il me semble que la première, justement, c'est de calmer les bob-hommes, parce que ça fait chier le vieux. Alors, voyons. Voilà, il y a trop de bruit venant de la maison voisine. Tu es l'ami de Cooper, non? Eh bien, ça vient de sa maison, et il devrait empêcher ses invités de faire tout ce boucan. Je n'en dors plus, je sais pas pourquoi je fais la voix normale. Pourrais-tu y aller et le calmer un peu? Vas-y, le plus vite possible, je suis au bout de vous, là où je peux vers moi quand ils seront calmés. Voilà, donc attendez, je vais remettre Cooper. Voilà. Je pense que c'est avec lui qu'on peut résoudre le souci. Allez, comme ça. Non. Oh, bambinette. Tais-toi. Les voisins se plaignent du bruit que tu fais, alors silence. Oh, bambinette, je ne dis pas ça. Ne dis pas ça, je t'en prie. Tu ne comprends pas ce que je ressens. Oh, tais-toi, j'en ai assez. Arrête de te lamenter à mon sujet. Ouais. Comment on fait? D'accord. Et donc, Cooper, réagis, Cooper, qu'est-ce que je fais? Bah, attendez, je peux rien faire de plus là. Ou alors, il faut que je mette bombinette, je sais pas moi. Bombinette. Non. Ah, voilà. Je suis parti aider Mario sur une quête importante. J'ai d'autres préoccupations que ton amour. En plus, tu n'es pas mon type. Allez, slash. Je t'avais prévenu, calme-toi avant que je pète un plomb. Oh, Minette, le... Oh, tu l'as énervé. Tu parles bien trop, mec. Tu risques de le regretter. Sois cool ou elle ne t'aimera jamais. Je suis sûr qu'elle changera d'avis si tu... Si tu te calmes. Calme-toi. Donc voilà, c'est fait. Ouais. C'est vrai que c'était plus logique de mettre bombinette. Et du coup, elle reste là-bas. Ah, suis-moi. Donc, le vieux de Travi. Oh, le très cool, masque cool, je suis stupéfiant, Mario, incroyable, bla, le gélant. J'espère que tu as donné une bonne collection à ces hooligans. Je suis pas enfin dans le mille et rêver empêché. Tu rends tant de service à ce vieux copain que je suis. Oh, 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 tiens, voici un cadeau spécial, c'est spécial. Ne le raconte à personne, ça ne veut gagner ma réputation. Oh, pas besoin d'être poli, nanana. 3 morceaux d'étoiles d'un coup, ça c'est bien. Alors voyons. J'ai entendu les gens parler ce dernier jour, et même pas, ils parlaient que je suis dans l'air. Mais pas étonnant. Ah! Putain, ça s'est passé d'un coup, j'ai pas eu le temps de lire. Eh, hey, tu m'écoutes ou pas? Je n'ai pas vraiment besoin d'aide, sauf peut-être. Tu connais les bouts du manoir bout, l'un d'entre eux, une vieille photo de moi. Qu'est-ce qu'il foutait au manoir bout? Si tu pouvais lui demander de me la rendre, si tu pouvais le faire très vite, tu es là, promis. Ok, d'accord, il faut retourner au manoir bout. Bon. Ça va être court, vous inquiétez pas, parce qu'il y a le raccourci de toute manière. Sauf que le raccourci du manoir bout, il était en dessous. Il faut repasser par le trou. J'arrête pas de faire des rimes en ou. Voilà, par ici. Alors, ce qui est bien, c'est que pendant cette interlude, il n'y aura pas de phase dans les égouts. Puisque si vous avez vu à droite, là, le prochain passage pour les égouts, bien, il faudra passer au-dessus de l'eau. Et je n'ai pas encore l'allié adéquat, je pense. Donc, ça fait ça de moins dans l'interlude. Et hormis les quêtes de coupe à coupe, il n'y a rien de plus. Il y aura juste les recettes, mais je les ferai en vidéo. Franchement, j'ai pas envie de les faire tout de suite, j'ai envie qu'on continue l'aventure. Vu que j'ai la télé HD là pour le moment,
J'ai vraiment envie de continuer d'avancer le plus possible. Ben, bon, l'exemple, on en a un. Il y a quand même un passé dans son rôle. Alors. Depuis le père Barbeau, un service pour Kapakot, dommage pour toi. Kapakot est renommé, car il a tendance à profiter des gens. En dictant, c'est. Si tu peux en profiter, fais-le jusqu'au bout. Oh le gros radin! Il s'est bagarré pas mal de fois dans sa jeunesse à cause de son sale caractère. Suite à un combat, il s'est mis à voyager. Passez une photo de nous quand il nous a visités. Prends-la et dis-lui de bonjour pour moi. Alors, vieille photo. Il doit la vouloir. Ben oui, forcément. Donc voilà, oh, ben, ça va, il suffisait de parler au premier bout du manoir, heureusement. C'était rapide. Ok, on va lire un peu tout ça. Après, il ne reste plus qu'une requête. J'espère que ça va pas être trop long. Comment je remonte déjà que je prenne le tuyau, ben juste ici. Oui, ah, ben, enfin, je voulais montrer juste à droite l'endroit où il y avait l'eau. Mais c'est pas grave. Vous avez déjà dû l'apercevoir. Allez, on y retourne. En espérant recroiser Karl Kuzier sur le chemin. Non, il n'y est pas. Vraiment pénible ce Karl Kuzier. Je sais pas comment je vais faire honnêtement pour les questions. Parce que il apparaît une fois sur 10. Bon, il est toujours pas là. Tant pis, tant pis. Sachant qu'en plus j'ai raté la dernière question et je l'ai pas retrouvé depuis. Donc bon, on verra plus tard. Allez. Du coup, je garde des bombinettes. Par le grand Mastok Kaunia, je t'admets, le Mario. Oh, ma jeunesse, regarde-moi, j'étais si joli, pauvre. J'étais le coupable de ces dames, je sais, il y avait. Superbe, adorable, telle passion. Oh, ça suffit, tiens, c'est pour toi. Une pièce. Comme d'habitude. Alors, dernière requête. Je n'ai pas fait un bon repas de pédalier sur les coupates de Mademoiselle Goûter, me ferait bien plaisir. Les coupates? C'est quoi ça? Tu pourrais aller à tête ville et m'en ramener? J'ai entendu mon estomac gargouiller. Les coupates? Attendez, comment ça marche ça? Je sais pas ce que c'est moi, les coupates. C'est un joli petit jeu de mots. Attendez, je regarde sur le PC. Recette avec deux ingrédients. Alors, il doit y avoir des coupates à tous les coups. Il n'y a que des trucs sucrés, des cookies, des bonbons, des sucrètes, des tartes aux pommes. Putain, toutes les recettes qu'on peut faire n'empêche. Non, je crois que j'avais vu coupate. Ah si, coupate, voilà. Alors, il faut une feuille coupate et des pâtes séchées. Qu'est-ce que j'ai? Bah bon, écoute, on fera ça plus tard et j'ai pas envie de le faire maintenant. Feuille coupa. Ah non, mais quel con, la feuille coupa, on peut justement la trouver. La trouver dans le village coupa. Donc c'était dans l'autre zone. J'espère que j'ai assez de place dans l'inventaire, c'était cet arbre-ci là. Ah, mais il y a Karl Quizer, super. Vous voyez, il apparaît vraiment aléatoirement. Merde, c'était pas là? Ah non, c'était le buisson d'à côté. Voilà. Feuille coupa, voilà, c'était ça. Alors bah du coup je vais répondre à sa question, fameuse question du coup du champignon. Je m'étais planté. Putain, ça pète la rétine, sérieux, les couleurs. C'était bien 4 pièces. Voilà. Félicitations, un morceau d'étoile supplémentaire. Ok, je dois avoir un paquet de morceaux d'étoile là. J'ai 14 questions, putain. Plus que 50 questions. Ça fait peur. Hein. Combien... Attendez, je mets start. 24 morceaux d'étoiles, ouais, je dois pouvoir prendre un nouveau badge. Je crois que je vais faire une coupure. Ça m'embête un petit peu tout ça. Ou alors je vais continuer, puis je ferai ça après cette vidéo. Je pense que c'est ce que je vais faire. Là, on est à quoi? On est à peu près 16 minutes. J'ai envie de continuer l'aventure, quoi. Qu'on aille, qu'on voit un peu le chapitre 5, le début du moins. Donc écoute, on va se lancer direct, hein, on va pas traîner. Toujours pas l'ouvrir ça? Non, ça s'ouvre pas, ok. Donc le chapitre 5, on va y accéder via le port. Ce que vous allez voir, il va se passer un truc au port. Je dis vous allez voir, mais je sais même pas ce qui va se passer. Alors, voyons, il y a toujours les mêmes personnages.
Adieu. Il y avait un truc qui est apparu. Voyons. Là, il n'y a rien de plus. Ah, mais il y a Colorado. Qu'est-ce qu'il fout là? Ah! Putain, mais il y a une baleine là. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Oh merde, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû parler à Colorado d'abord. Oh, qu'est-ce que tu fais? Une baleine qui parle. C'est un whaler. Oh, ça a l'air. Je me demandais sur quoi c'était. On dit un énorme mouton. Oh, je ne suis pas un temps, je suis une baleine. Oh, j'ai des soucis, c'est le 14 juillet dans mon bidon. À la comparaison. Ah, oh, je secours. On dirait que ce super bâton a des problèmes d'estomac. Et je parle comme Luigi, je sais pas pourquoi. Mario, ça te dirait de lui donner un coup de main? Oh, je ne suis pas un temps ni un poisson d'ailleurs. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Pourriez-vous vérifier si tout est bien en ordre là-dedans? Je vous en supplie. Hein? C'est quoi ça? Face à Jabu-Jabu? C'est quoi ce truc? Ou à Pinocchio, au choix. Allez, je crois que je devrais aller. Moi là-dedans, t'es fou. L'expression favorite de ma grand-mère était « Il ne faut jamais visiter un temps géant. » Je n'hésiterai pas une seconde, explorateur sans peur que je suis, mais je ne peux pas désobéir à ma grand-mère. Bon, ben, si t'es peureux, écoute, on va y aller, hein, allez, what? Il va faire sombre là-dedans, faut éclairer ça. Allez, c'est parti. Ah, mais je crois que j'ai raison en plus parce qu'on n'y voit rien. Ok. Ah, c'est pas mal, c'est bien ça. On va rentrer carrément dans la gueule. Une langue toute. Toute. Bah, poisseuse, je pense, hein. Collante. Pas très. Ragoûtant. C'est pas une lampe, c'est mon ami. Alors, putain, mais c'est quoi ce bordel? Y a rien dans son bide en fait. C'est juste ça. On voit les vertèbres, mais il y a juste une espèce d'hurluberlu. On va essayer de le combattre. Ah, mais du coup, je vois pas où il est. Ah, il m'a eu par surprise. Alors, c'est qui celui-là? Hé, mon pote, t'en veux un morceau? Tu l'as eu et je suis bien en colère là. Putain, cette voix. Alors. On va mettre tout d'abord le Mario pour l'analyser. Heureusement que je me suis soigné parce que je me rappelais même plus. Ah, je peux même pas! C'est quoi cette connerie? Ben on va remettre Watt, hein, du coup. Doku. Alors, habileté. Diminue sa défense, c'est pas mal. Hop, on va faire ça. Waouh, c'est trop beau! C'est trop beau, c'est magnifique ça. Pourquoi il reste là-bas? Ah non, j'ai pas vu comment il s'appelait. Hop, 6 points dans ta gueule. Hop, ah, joli. Ouf, il attaque rapidement. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Ah non, je peux plus utiliser le saut ni le marteau, il s'est mis en haut. Il aurait fallu que je fasse marteau séisme en fait, mais je l'ai plus. Enfin, j'ai pas équipé. Qu'est-ce que je peux mettre sinon? Quoique, attendez, avec lui, on peut toujours l'attaquer. Hein. J'ai toujours pas vu comment il s'appelait. Comme ça, va tomber bien sûr, et il se remet. Mais il est chiant! Putain, mais descends de ton trône là! Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire, hein. Je vais pas l'endormir avec ça, je vais balancer la poudre à gâteau. Ça peut l'étourdir, mais j'ai pas envie de l'étourdir. Changer perso. Mais on peut mettre Dabebou! Ah, on voit pas grand-chose du coup. Ouais, mais là il faut que j'attaque avec Mario. Bon, écoutez, on va mettre. Hein? Je peux même pas utiliser plus d'étoiles? Parce que je vois rien. Oh là là, c'est quoi ce bordel? On va mettre Watt. Attendez, si je remets. Ah, d'accord, parce que je vois rien, je pourrais pas utiliser l'énergie étoile. Ça fait quoi déjà? Diminuer de 3 la puissance de l'ennemi. Ah, ça. C'est bon à savoir. Ça peut être très utile. On va utiliser ça. 7 points d'un coup. Tu m'étonnes que la baleine avait mal au ventre. Une sorte d'espèce de fusil, mais bon, je pouvais pas l'analyser. Ah, super, j'augmente de niveau. Pile à fait. Alors, qu'est-ce que je vais mettre?
suis tenté de mettre le badge encore. Mais je sais pas. Je crois que je vais mettre les PS. Ouais, ils sont pas très élevés les PS quoi. Je vais remettre le badge. Zut, je vais d'abord m'éloigner de ce vieux pêcheur. Et puis je me fais avaler par un énorme poisson et puis ce vilain moustachu et commence à m'énerver. Moi, je suis passé des points à frire à la méchante depuis que je suis tout petit. Tu parles d'une vie? Mario, c'est moi, tu sais, la baleine. Tu m'entends? Mes modestes bras sont passés. Tu me sens bien. Forcément, l'autre, il a arrêté de sautiller dans tous les sens. Arrête! Arrête d'avaler de l'eau, là. On va être éjecté, je pense. Ouais. Par contre, ses yeux, ils sont bizarres. La baleine, ils sortent carrément du corps. C'est toi, c'est ce poisson débile qui m'a avalé. Oh, idiot, je pensais que j'étais foutu, moi. Bon, je suis terriblement désolé, j'étais en train de dormir la bouche ouverte. Bon, je sais pas ce que je peux te pardonner cette fois-ci, mais fais gaffe, tout le temps. Je dois te remercier après tout, monsieur Moustache. Prenez soin de vous. C'est ça, casse-toi. Ouf, je me sens mieux là, on devrait t'appeler Docteur Mario. Ah, la référence encore une fois. Comment puis-je te remercier? Je sais. Comme tant, je veux dire, en tant que baleine, je suis assez bon à la nage. Bonne à la nage. Pour vous remercier, je vous emmène n'importe où. Pardon d'écouter aux portes, mais t'as dit n'importe où. Mario, je suis dresseur de thon. Accompagne-moi jusqu'à l'île de Lev-Lev. Ça va être un super voyage. L'île est super géniale. Tu devrais me faire confiance. Mario. Je sais plus que l'eau j'avais fait à lui, mais c'est pas grave. Mais bébé, Paul a dit qu'un esprit étoile a été capturé par l'île de Lev-Lev. On va y aller. La baleine va nous faire une super promenade. Une promenade super. Super. Oui, super. L'île Lev-Lev, bien sûr, je ne sais où c'est, mais il y a un énorme volcan prêt à entrer en éruption là-bas. C'est méga dangereux. Tu veux toujours y aller? Bon. Ok, c'est ton choix. Dis-moi juste quand est-ce que tu seras prêt à partir, même si c'est pas ça la phrase. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Ne prendre avec toi, d'accord. Ben voilà, du coup, ça va être grâce à la baleine qu'on va accéder au chapitre 5, et le chapitre 5 va se passer sur l'île Lev-Lev, où on retrouvera certainement les Yoshi, parce que j'ai une lettre à donner à un Yoshi sur l'île. Donc, ben écoutez, il reste encore un peu de temps, donc on va y aller tout de suite. Allez, c'est parti. Oula, attention au port quand même, il va donner un coup de queue dans le dans le port. Y a pas un souci, vous me faites une petite place? Allez, monte, on t'attend. Hein. Ok, en route pour l'île Lev-Lev, la mer nous appelle. C'est parti! On est sur un ton, tu crois, Mario? Tu ne te dis pas que j'ai pas eu le temps de lire. Allez, c'est parti, comme quoi. Mais vraiment, les engins de locomotion dans ce jeu, ils sont vraiment très originaux. Ah, c'est si mignon. Mais je vais monter le son, lui. Tout à l'heure, j'entends rien. Je vais monter le son de la télé. Ah, c'est si joli. Ah, donc voilà, chapitre 5. Ça chauffe sur l'île Lev-Lev. On voit que le boss, c'est une espèce de plante piranha, je dirais. Donc on va bien voir ce qui se passe. C'est bizarre, les tiges, au bout des tiges, on dirait une genre de petite tête de Bowser. C'est très étrange. Allez, let's go. C'est très joli en tout cas. J'adore les ambiances exotiques. Hein. Demande-moi si tu veux que je te ramène à ta ville. Bien, nous y sommes. Alors c'est ça l'île Lev-Lev. Très joli. Oh incroyable! Et regarde Mario, le mont Lev-Lev là-bas, tu le vois? Oh magnifique, dépêchons-nous, vite! Non, je le vois pas. Si j'étais à la place de Mario, on devrait le voir, mais bon. Vu que ce sont des zones restreintes, on peut pas l'apercevoir. Alors, oh, franchement, c'est super joli, j'adore. J'adore ce genre d'ambiance. Ah, c'est quoi ces fleurs? J'ai l'impression que c'est une référence à Mario RPG, ces fleurs-là. Les fleurs qui tournent, c'est exactement pareil. Mais pourquoi je peux pas sauter? Ah, quoi? Ah, il faut faire la toupie. Attendez, mais c'est...
Mais c'est ouf ça, attendez, tu refais, j'ai pas compris. Ah oui, voilà. La toupie, ah, c'est marrant. Ça nous fait monter. Mais c'est bizarre parce que j'ai appuyé sur R et ça m'a fait monter alors que normalement c'est L pour faire la toupie. Pas trop capté. Alors, ah, les buissons, ce sont des espèces de plantes bizarres. Ah, mais elle me donne des cœurs, elle. Ah, merci. On peut se régénérer. À l'infini, c'est cool. C'est bon à savoir. Ah, mais toutes ? Bah non. Ah, bah si. D'accord. Une espèce de conteneur de cœurs. C'est étrange. Et je vais quand même tous les faire parce que je sens le coup fourré avec un objet caché ou quoi, non ? Non, y'a rien. Alors, est-ce qu'on a quand même des buissons ? Non, on peut pas les bouger ceux-là. Y'a rien derrière non plus. On va cogner les cocotiers. Oh, c'est quoi ça ? Noix de coco ! Lance-la sur un ennemi. Je dois avoir mon inventaire plein, du coup. C'est pas mal. Ah, mon grand truc là, montre stop. Eh oui, mais je suis plein. Ouais, du coup, vu que j'ai pas fait la recette, je suis plein. Mouton de dodo, je m'en fous. Rien à battre. Alors, y'a rien d'autre. Je pense que je peux monter par là, mais je saute pas assez haut. Un truc tout derrière. Hein ? Mais je rêve, attendez, mais par où je suis passé là ? Il y avait un chemin ! Ah, c'est fourbe ! Un chemin derrière. Attendez, j'ai peut-être trouvé un passage secret là. À mon avis, on va bientôt avoir l'allié parce que vous voyez, on est bloqué avec cette espèce d'embarcadère là. De ponton, on peut pas les emprunter. Je crois que je fais n'importe quoi, il faut pas que je passe. Ah ! La pièce! Eh, hey, attendez, c'est pas mal. Ok, bon, les étoiles, on s'en fout. Eh, c'est pas mal, elle me donne des pièces. Bon, on fait une pièce par une pièce, c'est pas très rentable. C'est excellent. Alors, écoute, on va passer par en dessous. Il y avait un chemin. On va suivre le chemin conventionnel. On verra bien ce qui se passe. En tout cas, c'est vraiment bien que... Oula, qu'on démarre ici. Ça, c'est vraiment un passage récurrent dans ce jeu. Il y a tout le temps quelqu'un qui gueule et il faut qu'on aille voir ce qui se passe. Eh, au secours ! Pareil que c'est un Yoshi. Ah, mais il faut que je bouge. Moi, je parie que c'est un Yoshi. On va bien voir. Quoi dans le palmier ? Ah, encore une autre coco que je peux pas choper, donc on s'en tape. J'espère qu'elle revienne. Alors, une fleur. Ah, c'est vraiment bien, ils ont mis plein de végétaux différents, alors que depuis tout ce temps là, on voit tout le temps les mêmes trucs en fait. Ah, une lettre. On voit tout le temps les mêmes buissons. Voilà, c'est pas très varié au niveau de la faune et la flore. Enfin, surtout de la flore. Là, ils ont mis plein de trucs différents. On veut pas piquer un petit roupillon. Piquer une tête, je dis n'importe quoi. Ah non, mais c'est Colorado qui est en pleine galère contre une espèce de fusil jaune. On va le laisser là. Hein. Je le crois enfoiré, quoi. Ya, lâche-moi. Non, je pense qu'on est... Ah, mais il nous suit quand même. Mais aïeux, je m'en suis sorti, difficilement. Mais quelle impolitesse, Mario, me laisser comme... Bah, on peut pas tous être des héros, on y va. Ah, mais d'accord, il continue quand même. Ah, du coup, je peux pas combattre le fusil, merde. Je l'ai loupé. On va faire le couillon et j'ai loupé le combat. C'est pas grave, même. Encore une fleur. Ouh, le background derrière est super bien fait, j'adore. C'est coloré. Oh, un morceau d'étoile. Super coloré, c'est vraiment joli. Je suis content d'être sur la télé HD pour ce passage-là du jeu. Et franchement, ça pète la rétine. Bon, je crois que j'ai tout pris. Il y a même le rayon de soleil sur le coin supérieur droit de l'écran. C'est du plus bel effet. Par contre là c'est un peu pixelisé le menu. On va avancer par là. Faut que je vais rater la vidéo bientôt quand même. Ah, village Yoshi. Ah, attendez. Ça met une espèce d'icône morceau d'étoile. Voir. Voyez. Il y a un truc morceau. C'est quoi ça déjà? C'est parce que le... C'est ouais, attendez, je comprends rien. C'est peut-être parce que j'ai équipé le badge... Ah oui, j'ai équipé le badge 007, j'ai dû faire ça hors vidéo, j'ai complètement zappé.
Ça met le bruitage et l'icône pour nous prévenir qu'il y a un morceau d'étoile à proximité. Voilà. Alors, mais d'ailleurs, en plus, j'ai plein de points badge, donc on va équiper des trucs. Alors, voyons. Je pense que je mettrai la glacification un peu plus tard quand je serai dans le volcan, parce que ce sera bien utile. Tout ou rien, c'était quoi déjà? La puissance augmente de 1. Alors, si vous réussissez la commandation, si vous échouez, elle tombe à 0. Ça peut être vraiment bien, quoi. Au moins, ça m'oblige à vraiment bien attaquer. Et en plus, ça me fait augmenter la belle attaque, justement. Je pense que marteau séisme, ce sera peut-être... Je sais pas trop quoi mettre, en fait. Le saut boosté, c'est vraiment énorme. Ouais. Donc, on se retrouve au village des Yoshi. Oh putain, mais le noix de coco est énorme, pagaille. Ah, les musiques des villages Yoshi, elles sont toujours superbes. Je vous laisse un peu apprécier la bande son. Il est un peu gros ce Yoshi, non? Qu'est-ce qu'il a bouffé? Bienvenue Mario, je suis le chef du village Yoshi. Ah, forcément c'est le chef donc il est gros. Super. Ah, tu viens chercher de l'aide. Tu vas aller sur le mont Lablab, n'est-ce pas? L'entrée du volcan est dans la jungle, mais très difficile d'accès. Le volcan s'est réveillé, je pense qu'il est dangereux de s'aventurer là-bas. Il y a une espèce de plume sur la tête, c'est sympa. J'ai l'impression que c'est le même thème que le village des Yoshi dans Mario et Luigi. Partners in Time, les frères du temps. Il me semble que c'est le même thème. Moi, je peux peut-être me tromper, mais je pense que Guile, il saurait me répondre, parce qu'il connaît le jeu par cœur. J'arrive pas à toucher le cocotier, là. Merde, attendez. C'est fou, ça, je peux pas le toucher, celui derrière, moi, c'est pas qu'il y a rien de caché dedans. Bien, bien, salut Mario, bienvenue sur l'île Lablab. Elle est entièrement recouverte par une jungle très dense. Mais c'est tellement un crâne de vivre chez. Moi, je fais pas trop la voix du Yoshi, parce que voilà, j'ai un peu la flemme. Ah, on a une grosse statue de Ménat. Le Ménat de Yoshi Island. Je peux pas m'approcher davantage. Bah, il est un peu vide leur village, non, il y a rien du tout. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo, en tout cas. Parce que ça fait déjà 34 minutes, et puis je vous retrouve la prochaine fois directement ici. Je vais enchaîner avec la prochaine vidéo direct. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on est parti pour le chapitre 5. Allez, à la prochaine.